y a toujours une règle, qu'il n'y a pas d'hommage au maréchal Pétain. Même si l'histoire sait quel rôle il a pu jouer dans la Première Guerre mondiale, mais les présidents successifs, en tout cas à partir d'un certain moment, avaient considéré qu'il n'y avait pas d'hommage à faire au maréchal Pétain à l'occasion du 11 novembre. Et d'ailleurs, je dois dire que ce n'était pas prévu qu'il y en ait. Donc il y a eu peut-être des expressions qui n'ont pas été heureuses. Et la règle de la République, ça a été de considérer que le maréchal Pétain, après ce qu'il avait fait comme chef de l'État, l'État qui n'était pas celui de la démocratie, mais qui était l'État, était indigne, puisque ce sont des faits de collaboration, de trahison, et il est responsable aussi de la départition, non seulement des Juifs, de beaucoup de nos compatriotes. Donc, ce qui écarte le maréchal Pétain de tout hommage national. Mais ce qui est très important, et peut-être c'est l'essentiel, puisque nous sommes à la veille du 11 novembre, c'est très important qu'il y ait ce rassemblement de demain avec des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, et qui puisse envoyer un message, non pas simplement de paix, mais de responsabilité. La paix, elle est fragile.